joyeuse petite souris. De la ville et de la campagne, c'est une équipe qui gagne. On veut voir l'univers, découvrir ses mystères. Alexandre et Émilie, joyeuse petite souris. De la ville et de la campagne, c'est une équipe qui gagne. Alexandre et Émilie. Avoir invité à prendre le thé, Alexandre. J'avoue que j'aime les aventures comme toute souris qui se respecte, mais j'aime bien aussi me détendre de temps en temps. Je suis tout à fait d'accord, ma petite Émilie. Nous avons voyagé dans le monde entier, mais j'aime bien me retrouver dans ma ville natale. New York, New York, la ville la plus incroyablement moderne. Youhou! Des cow-boys? C'est le Far West ici ou quoi? Ça alors, c'est incroyable! Viens voir! Qu'est-ce que des cow-boys peuvent bien faire à New York? Oh, voilà l'explication! Le cirque de Buffalo Bill vient d'arriver en ville! Et regarde! Il y a une attraction spéciale! La médaille d'honneur de Buffalo Bill, remise par le président lui-même, sera présentée au public! Roléo, 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 et vive le roléo! Vous allez pouvoir voir en action la vedette qui n'a peur de rien, Annie Oakley. Elle vous fera un numéro qui vous mettra le cœur à l'envers. Et vous pourrez assister en direct au clou de cette soirée, la présentation de ma médaille d'honneur. En général, nous devons sortir pour découvrir l'aventure. Mais cette fois, c'est le Far West qui est venu jusqu'à nous. Profitons-en. Ce spectacle est un peu trop animé à mon goût. J'ai comme l'impression que ce chien prend ce numéro de rodéo un peu trop au sérieux. Vite, Alexandre! Oui, mais oui, mais voilà. Je crois que ce molosse en a pris un petit coup sur le museau. Et voilà le travail. Entravé en moins de 3 secondes et demie. On est calmé, le gros toutou. Salut à vous deux, Émilie, Alexandre, bienvenue au Far West. Cousine Annie, qu'est-ce que tu fabriques là? J'ai accroché mon chariot à la caravane du cirque du Far West après mon passage dans la cavalerie. Je suis bien contente de retrouver mes cousins préférés. Et moi, je suis très content que tu sois toujours aussi habile avec un lasso. D'après toi, qui est-ce qui a appris à Annie Oakley tout ce qu'elle sait, hein? Personne au monde n'est aussi habile qu'Annie la souris. C'est comme ça que j'ai gagné ma ceinture d'argent au concours de lancer de lasso. Youhou! Cheval, les deux cousins, je vais vous faire visiter les lieux. Et on fait quoi pour le chien? Oh, c'est pas un toutou dégénéré qui va faire peur à des souris comme nous, pas vrai? La première chose qu'apprend un cow-boy, c'est à se respecter et à respecter les autres. Et à porter un chapeau. Oh, qu'est-ce que tu en penses, Alexandre? Je ne sais pas, qu'est-ce qui a coupé la lumière? Ah, oh, attention, tu vas! Ce corral est réservé à Brutus, le crapaud buffle le plus redoutable de tous les rodéos. J'ai toujours eu très envie de chevaucher un crapaud buffle. Oui, je crois que j'ai changé d'avis. Les clowns à la rescousse! Attendez, pas de panique, je ne suis pas un clown! Alors, pourquoi tu portes ce chapeau? Alexandre, attention! Oh, il est drôlement gentil, le petit crac-crapopo!
J'ai dû oublier de te dire que jouer les clowns de rodéo, c'est beaucoup plus dangereux que de monter un crapaud buffle. Mais papa, c'est pas juste. Qui a dit que la vie de cow-boy était juste? À quoi ça sert de lire quand on est un clown de rodéo? Ne dis pas ça, Rusty. Tu crois que Buffalo Bill Cody en sera arrivé là où il est arrivé sans avoir été instruit? Faut croire que non. Eh bien, tu as raison de le croire. Maintenant, plonge ton nez dans ce livre et je repasserai plus tard. T'es un brave petit gars. Je suis drôlement fier de toi. Hé, hey, Rusty! Hein? Il faut absolument que je te présente mes cousins. Émilie et Alexandre. Lui, c'est Rusty, un grand copain. Enchanté de te connaître, cow-boy. Salut, madame. Oh. Je vois que tu as travaillé le numéro de chapeau que je t'ai appris. Je répète du matin au soir. Et quand je serai vraiment au point, je deviendrai un clown de rodéo comme mon père. Oh, youhou! Buffalo Bill va montrer sa fameuse médaille. Allez, venez. J'ai reçu beaucoup de récompenses tout au long de ma longue carrière en tant que trappeur, chasseur de bisons ou quand j'étais avec le Pony Express et éclaireur dans la cavalerie. Mais je suis ici aujourd'hui pour vous dire que rien ne m'a fait plus plaisir que cette médaille qui m'a été remise par notre président. Elle prouve à tous les sceptiques que je suis bien Buffalo Bill Cody, le plus grand cow-boy qui ait foulé les plaines du Far West. Une canaille a volé ma médaille! C'est l'acte le plus abject, le plus répugnant, le plus cruel que j'ai pu voir. Celui qui a pris cette médaille est encore plus infâme qu'une limace avariée. Je jure sur la mémoire du général Custer qu'il n'y aura pas de représentation dans ce cirque tant que ma médaille ne sera pas retrouvée et que ce rat visqueux qui l'a volé ne sera pas entre les mains de la justice. J'ai bien peur que Buffalo Bill ait perdu sa confiance dans les cow-boys, mon gars. Tu ne penses tout de même pas que c'est un cow-boy qui a volé la médaille? Non, je ne le crois pas. Oh, mais si personne ne ramène cette canaille de voleur devant la justice, tous les cow-boys à l'est du Missouri vont se retrouver au chômage. Et nous y compris? Espérons que nous n'en arriverons pas là. Nous avons intérêt à retrouver la vermine qui a fait le coup. Où va le monde si même un cow-boy doit se méfier de tout? On dirait que c'est le bout de la route pour mon père et moi. Maintenant, je ne deviendrai jamais un clown de rodéo. Hé, hey, faut pas te décourager aussi vite, voyons, c'est ridicule. Quand il faut résoudre un mystère, je crois qu'on ne peut pas mieux tomber que sur mes cousins Émilie et Alexandre. Rusty, tu vas continuer à répéter ton numéro de chapeau. Et pendant ce temps-là, nous allons résoudre le mystère de la disparition de la médaille. Aussi sûr qu'Annie Oakley peut trouver une pièce à plus de 50 pas. Alors ça, je l'espère. Tu trouves des indices, Alexandre? Non, même pas une vague empreinte digitale, ma chère Émilie. Celui qui a dérobé cette médaille n'est certainement pas un amateur. Oh, et ce n'est pas un cow-boy non plus. Yahoo! Ça, c'est une bonne nouvelle. Non, malheureusement, ce n'est pas une bonne nouvelle. La médaille de Buffalo Bill n'a pas été volée par un cow-boy. Non, elle a été volée par une souris du Far West. Quoi? Regardez. Eh oui, ce sont bien des empreintes de bottines de souris. Oh, et regardez ça. Elle se dirige vers le rodéo des souris du Far West. Bien, maintenant la piste se divise en deux directions. Celui qui a volé la médaille de Buffalo Bill avait un complice. Il vaut mieux se séparer. Je vais suivre cette piste et vous, vous allez suivre l'autre. Nous allons bientôt découvrir le fin mot de cette histoire. C'est parfait. Émilie et Alexandre sont tombés dans mon piège. La médaille de Buffalo Bill va me donner de quoi m'acheter du fromage jusqu'à la fin de ma vie. Et en suivant cette fausse piste, mes ennemis les plus farouches vont avoir la plus mauvaise surprise de leur vie. Il faut ouvrir l'œil. Cette histoire me paraît drôlement suspecte, Émilie. Elle l'est même encore plus que tu ne le crois. Celui qui a laissé cette trace avait... deux pieds gauches. Oh non! Oh, j'ai l'impression qu'il ne me laissera pas ressortir. Oh. Oh.
New York, l'horrible rat sans queue ni loi a volé la médaille d'honneur de Buffalo Bill qui en faisait le clou de son grand spectacle de cirque. Nos souris enquêtent, mais sans queue ni loi a laissé de fausses traces de pas qui entraînent Emily et sa cousine Annie vers un chien féroce. Danser le quadrille. Oh oui, évidemment. Et on commence par une promenade. Attention, tu suis bien et tu ne restes pas en rade. Et la main gauche et la main droite. On donne des coups de talon. Et on court. Allez. Cette piste a manifestement quelque chose de bizarre. Mais je n'arrive toujours pas à comprendre quoi. Tiens, tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je me demande ce qui a pu mélanger toutes ces empreintes de cette façon. Oh non! Le moment de jouer les clowns. La piste que nous avons suivie nous a mené tout droit aux écuries du rodéo. Viens vite. Oui, ça roule. Si vous voulez mon avis, il n'y a pas que des chevaux là-dedans. Allons voir de plus près. Oh ah ! Salut, camarade. Rusty, qu'est-ce que tu fais ici? Je fais ce que tu m'as dit. Je travaille mon numéro. Ça a beaucoup plu aux chevaux, en tout cas. Je trouve que la vie de cow-boy reste ce qu'il y a de plus beau au monde, et de loin. Je vais être drôlement triste si le rodéo est obligé de s'arrêter. Ne t'inquiète pas, ça n'arrivera pas. Nous allons trouver qui a volé la médaille. Tu verras. Toi, tu continues de travailler, et surtout, sois tranquille. Les souris sont sur le coup. Youhou! Ces idiotes de souris ne devineront jamais que j'ai la médaille. Mais ce n'est pas la peine de traîner trop longtemps dans le secteur, j'ai assez ri. Et salut mon pote. Mais c'est pas possible, comment avez-vous fait? Nous avons vite découvert que c'était une fausse piste. Qui a entendu parler d'un cow-boy qui a deux pieds gauches? Comment tu t'appelles, étranger? Eh bien, moi, appelez-moi Montré-Jack. Le rat le plus redoutable de tout l'Ouest. C'est curieux, mais je crois vous avoir déjà vu quelque part. Probablement sur un avis de recherche. Elle est bonne, celle-là. Regardez, c'est la médaille de Buffalo Bill. C'est Montré-Jack qui l'a volée. Ah, attends, Emily. Un desperado comme Montré-Jack n'acceptera pas facilement d'être accusé de vol. Il faut qu'on trouve un autre moyen de récupérer la médaille. Hé, cow-boy! J'ai l'impression que vous avez un faible pour l'argent. On pourrait peut-être faire un concours de l'assaut, bonhomme. Un contre un. Si vous gagnez, je vous donne ma boucle d'argent. Une boucle d'argent? Mais si je gagne, je prendrai cette jolie médaille. À la pleine lune, au corral, d'accord? Ma grande, tu peux te considérer comme n'ayant plus de boucle. Oh, moi je n'ai pas confiance en ce Montré-Jack. Surtout quand c'est l'avenir de Rusty qui est en jeu. Régler les comptes dans un duel, c'est la solution que préfèrent les cow-boys. Oh! Montré-Jack n'a pas la moindre chance. Il n'y a personne dans ce milieu qui joue du lasso comme toi. Et la boucle est là pour le prouver. Cette pauvre petite souris n'a pas la moindre chance contre un rat qui a mon talent. Je ne vois pas comment je pourrais perdre. Salut! Mais qu'est-ce qui se passe? Je déteste les clowns. Ils rendent toujours les gens heureux. Je ne supporte pas. Est-ce qu'il est parti?
Et chouette. Bon, et maintenant, passons aux choses sérieuses. Attention, maintenant écartez-vous. Vous allez voir votre travail. Ce n'est pas juste, ce sont les clowns qui m'ont fait perdre. Allons, allons, Monter et Jack. Personne n'aime les mauvais perdants. Qu'est-ce que je t'avais dit, Emily? Annie a gagné cette manche sans le moindre problème. Il ne reste plus que deux épreuves. Plus rien ne l'arrêtera maintenant. Je ne supporte pas qu'on me traite de mauvais perdant. Il faut absolument l'arrêter. Si on le laisse faire, il va tout détruire. Bravo! Bien joué, cousine Annie. C'est le numéro de l'assaut le plus fantastique que j'ai pu voir. Et tu as sauvé le rodéo des souris. Oh, ah, je me suis foulé la cheville. Je ne peux pas continuer le duel. Non, c'est fâcheux. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant, alors? Bien, eh bien, je sais pas franchement si c'est une très bonne idée. Et tu as toujours dit que tu rêvais de chevaucher un crapaud buffle. Eh bien, c'est le moment ou jamais, il me semble. C'était avant que je connaisse Brutus, tu sais. Oula, oula, gentil le cracrapopo. Oula, oula, non. Eh bien, on peut dire que tu as de la chance. Ta chute a été amortie. Je te remercie beaucoup. Et maintenant, vous allez voir le travail. Je suis navrée de le reconnaître, mais Monter et Jack est le meilleur cavalier de crapaud buffle que j'ai pu voir. Je crois que je ne suis pas fait pour être cow-boy. Tu as fait de ton mieux, Alexandre. Et il y a encore la course de chariot. Allons. Je ne comprends pas comment il s'y est pris pour rester là-dessus. Ah, j'étais sûr que le coup de la colle serait efficace. Maintenant, il ne reste plus qu'une seule épreuve. Donc, tout va dépendre de la course de chariot. Attention, prêt, partez! C'est exactement comme les courses de charrettes à la fête du village. En plus drôle encore. Par ça. Comment on fait pour arrêter cette chose? Je suis le plus grand desperado qui ait vu le jour. Plus rien ne peut m'arrêter maintenant. Merci pour ce charmant raccourci. C'est très bien joué, Emily. Tu as mérité de porter cette boucle d'argent à ma place. Vive Emily! Elle est digne de Buffalo Bill! Je m'en charge, puisque je représente la loi par ici, après tout. Adios, amigos! Cette canaille va s'échapper! Oh, enfin, si je peux l'en empêcher! Oh, ma queue! C'est une fausse queue! Oh, ce
Ce n'est pas un cow-boy, c'est Sans Queue ni Loi, le plus célèbre rat voleur qui existe au monde. J'aurais dû me douter qu'il était derrière ce vol. Et on dirait qu'il va s'en sortir cette fois. Oh, et il n'y a pas une souris au monde capable de m'arrêter maintenant. Je n'en ai jamais vu un clown aussi gigantesque. Je te tire mon chapeau. Comment l'as-tu retrouvé? Allez, vas-y, dis la vérité. Bien. Je l'ai reprise à un sale petit rat. Et après, je l'ai chassé de la ville. Bien joué, bon débarras. J'ai toujours su que ça ne pouvait pas être un cow-boy. Yahoo! Alors, vive les cow-boys! Tu as fait du bon travail, mon garçon. Et en guise de remerciement, je tiens à te remettre une récompense. Qu'est-ce que tu dirais d'être le prochain clown de rodéo vedette du prochain spectacle du rodéo de Buffalo Bill? Ça, c'est super! On dirait que Rusty a restauré la confiance de Buffalo Bill envers les cow-boys. Le spectacle de rodéo est reparti comme au plus beau jour! Rusty est devenu une grande vedette chez Buffalo Bill. Son vœu s'est exaucé. Il n'est pas prêt de quitter le spectacle maintenant. Très franchement, j'ai renoncé à devenir cow-boy. J'ai décidé de laisser le Far West au dur de dur, comme cousine Annie. Si tu veux mon avis, ça me paraît une excellente idée.